Ségolène Huyern, bonjour. Bonjour. À nouveau avec nous dans nos locaux de French Connection. Merci beaucoup de nous avoir encore invités. Ah, écoutez, avec plaisir. Vous êtes de Nice, on est de Nice, donc c'est bien. Finalement, on n'est pas allé très loin. Très loin, non. Voilà. Alors là, cette fois-ci, il s'agit du cas cvmail.fr. C'est une décision donc encore du centre d'arbitrage rendue le 29 avril 2010. Le requérant est une société dont je ne prononcerai pas le nom. Aden Class Fields. Ah, d'accord. Faites-moi. Oui, non, ça va. Anciennement, quel job, parce qu'on pourra dénommer ensuite le requérant. Très bien. Les gens, Google, on va googler pour voir un peu ce qu'il y avait avant sur ces sociétés. Voilà. Donc, cette décision est particulièrement intéressante sur deux points. Elle rappelle les conditions que doit respecter une marque pour faire obstacle à un nom de domaine litigieux. Et puis, elle va se prononcer sur les mesures de réparation. Rappelons les faits brièvement. C'est une société, donc le requérant est spécialisé dans les annonces d'emploi sur Internet et elle a développé notamment un service d'assistance au recrutement depuis 2001 sous le nom de CVMail. Et à ce titre, elle est titulaire d'un nom de domaine cvmail.com, réservé en 2000, et d'une marque française, cvmail.com, déposée en 2003 pour des services des classes 9, 35, 38 et 42. Donc ça va peut-être paraître un petit peu rébarbatif, mais pour la compréhension de la suite, il faudrait quand même que je vous lise le libellé. Donc notamment, elle désigne des logiciels, des gestions de fichiers informatiques, services de messagerie électronique, conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, élaboration, installation, maintenance, mise à jour location de logiciels, programmation pour ordinateur. Donc on s'aperçoit quand même que c'est un libellé assez axé droit de l'informatique finalement. Maintenant, le défendeur, il a déposé, lui, un nom de domaine cvmail.fr, exploité en liaison avec des services d'assistance pour la recherche d'emploi, et puis une marque cvmail en 2006 pour des bureaux de placement. Donc, le requérant a pris connaissance de l'existence du nom de domaine et, comme d'habitude, tentative de négociation amiable, échec, et donc on arrive à cette saisie de l'OMPI. Pour demander, il va demander le transfert donc, du nom de domaine à son profit. Les arguments du requérant, il va rappeler l'existence de ces marques et noms de domaine. Il estime que CVMail, c'est l'élément distinctif et dominant de sa marque, même si sa marque c'est cvmail.com. Et il précise que le défendeur, de toute façon, il avait connaissance de son nom de domaine, de sa marque et des activités offertes sur le site. Les arguments du défendeur, donc là, il va donner copie de sa marque, mais aussi il va fournir copie de l'interrogation de la recherche qu'il avait faite sur ICMark. En 2007, bon, sa marque a été quand même déposée en 2006, il a fait la recherche en 2007, ça arrive. Et il va, en fait, c'est pour montrer sa bonne foi, parce qu'il va montrer que la marque cvmail.com n'apparaissait pas, et pour la simple et bonne raison qu'il avait, plutôt que taper cvmail, il s'était trompé, il avait tapé cumail. Donc forcément, dans le cas d'une recherche à l'identique, sur l'interrogation des bases données, ça ne pouvait pas ressortir. L'expert va se pencher dans un premier temps de savoir s'il y a atteinte aux droits du requérant, donc à la marque cvmail.com. C'est là que c'est très intéressant. Donc est-ce qu'il y a un risque de confusion? Donc le risque de confusion, pour qu'il y ait risque de confusion, rappelons-le, il faut qu'il y ait similitude ou identité ou similitude des produits et services désignés et des signes. Ou alors que la marque aille au-delà du principe, enfin que ce soit une marque notoire et qu'on puisse appliquer l'article L713.5 pour permettre d'aller au-delà de la protection classique. Et l'expert va relever que les signes sont extrêmement proches, il n'y a pas de souci, mais il relève que le requérant est resté très silencieux sur l'identité ou la similitude des produits et services. Or, il va regarder, il va s'apercevoir que le nom de domaine litigieux est utilisé, lui, en liaison avec des services propres d'un bureau de placement, donc d'assistance pour la recherche d'emploi, ça c'est clair. Il va regarder la marque antérieure qui est opposée, et on s'aperçoit qu'elle ne désigne absolument pas ça. Peu importe, comme le relève l'expert, qu'elle soit utilisée pour des services en relation avec des bureaux de placement. On va regarder vraiment la marque telle que déposée. Donc il va se demander, mais peut-être que ces produits, enfin ces services, peuvent être considérés comme similaires. Alors l'expert, toujours pareil, il va regarder ce qui a été rendu à la matière et il va faire appel à une décision du directeur de l'OMPI, dans le cas de l'ENPI, pardon, dans le cas d'une procédure d'opposition, qui a considéré que ces deux services étaient totalement différents. Donc il en arrive à cette conclusion, les services sont différents. Il va dire ensuite que la marque antérieure ne peut pas bénéficier, elle n'est pas de renommée, donc elle ne peut pas bénéficier de L713.5 et donc avoir une protection allant au-delà des services désignés et par conséquent écarte la marque du débat. Est-ce qu'il y a atteinte aux règles de la concurrence? Pour ça, il va vérifier s'il y a atteinte au nom de domaine. Il va considérer que oui, ça, il n'y a pas de souci, puisque finalement, les deux noms de domaine redirigent vers des sites qui exploitent des produits en étroite relation. Maintenant,
Rappelons-le, le requérant avait demandé le transfert du nom de domaine à son profit. Le règlement sur la procédure alternative de résolution de litige prévoit qu'il faut justifier de ses droits sur l'élément objet de l'atteinte. Donc première question, est-ce que le nom de domaine antérieur, ou sur lequel il y a une atteinte, peut-il être invoqué pour justifier le transfert? Et l'expert va conclure que non, parce qu'on se base on s'est basé sur le fondement de la responsabilité civile pour faire échec donc, au nom de domaine postérieur. Donc on n'a pas fait appel à la notion de droit privatif. Par conséquent, on applique le même principe ici et ce n'est pas un droit permettant donc le transfert. L'expert va aller un petit peu plus loin, il va se poser la question de savoir, mais du coup, certes, c'était le transfert qui était demandé, on voit que ce n'est pas possible, est-ce que moi, je peux me substituer et demander à la place le retrait, la suppression du nom de domaine? Et il va dire que non, il va rejeter finalement la plainte, il va laisser les parties s'en remettre aux tribunaux. Alors, bon, là, cette décision permet quand même de faire un... Petite observation, parce que au niveau pratique, elle est riche en enseignements, notamment avant d'engager une action, vérifier l'étendue de notre protection. Et plus précisément, vérifier régulièrement si finalement la marque que l'on exploite reflète bien la marque qu'on a déposée. Souvent, quand on dépose une marque à un temps X, l'activité évolue, ça change. Et donc il faut régulièrement faire un point finalement entre notre portefeuille de marque existant et l'exploitation qu'on en fait pour bien s'assurer que ce qu'on exploite, c'est bien ce qu'on a déposé. Alors je parle là en termes de produits et services, mais également en termes de dénomination. Souvent les dénominations changent, les logos évoluent, etc. Donc vraiment faire systématiquement un point là-dessus. Parce que ça peut, comme on le voit là, ça a des incidences très graves. Je pense que dans l'esprit du requérant, sa marque était protégée comme il se doit pour son activité réelle. Finalement, non. On est surpris des fois. Hein, comme tout quoi, à fait. Ouais. Bon, bah, très intéressant. Écoutez, merci beaucoup pour ce cas-là. Qu'est-ce que vous nous réservez pour la semaine prochaine? Alors, pour la semaine prochaine, je vais laisser la place à Marie-Clotilde. D'accord. Merci d'avoir participé avec nous à cette saison de cas par cas. C'était le plaisir, c'était pour moi. Espérant vous revoir très prochainement avec dans nos bureaux éventuellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.